Je vous ai fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant à propos de ma pire expérience de montagne et l'état de ma cheville. Ça commence à aller un petit peu mieux quand même, ça fait quand même un mois et demi tout ça que ça m'est arrivé. Et maintenant, je peux marcher un petit peu. Un petit peu, je suis pas encore au point d'aller faire un tour dans la montagne. Mais je peux aller faire un tour sur la plage. Hop, voilà, Dixit, la plage. Et pour aller chercher quoi en fait? Pour aller chercher ça. Ces algues-là. Donc ces algues-là, ça s'appelle, si je ne me trompe pas, Macrocystis pyrifera. En fait, c'est du kelp. Voilà, le kelp, ça regroupe plusieurs algues, mais ça fait partie donc de ce qui est dénominé comme kelp. Et je vais me servir de ça pour aider ma cheville à récupérer un petit peu. Donc, je vais récolter les feuilles de ça, donc ces parties là en fait, et je vais vous faire voir comment on s'en sert. Alors, tout d'abord, un petit disclaimer, c'est que si vous avez un problème de mobilité, c'est mieux d'aller voir les médecins, si les médecins, ça vous plaît. Moi, j'aime pas trop les médecins, j'aime bien les infirmières, mais j'aime pas trop les médecins et j'aime pas trop les hôpitaux. Donc, tout ça, c'est à prendre en tant que information, simplement, et non pas en tant qu'avis médical. Alors, à savoir que cette algue, donc du kelp, qui s'appelle ici, cette sorte d'algue s'appelle wiro. Donc, ça ici, c'est utilisé depuis toujours, quasiment, puisqu'a priori, les Yagan, donc le peuple primitif qui a vécu pendant 6000 ans à peu près sur les environs, a priori, les Yagan utilisaient déjà cette algue ou le kelp pour aider à la santé. Alors, comment on se sert de ces algues? Donc déjà, on va les récolter sur la plage. On va cueillir la feuille, entre guillemets, juste après le petit flotteur qui rejoint cette feuille à la tige principale. Et puis en fait, on va venir les faire chauffer. Alors il faut absolument récupérer ces algues fraîches et donc de la marée, à marée descendante et de la marée en cours. Il ne faut pas prendre des algues vieilles qui vont être gluantes et en plus un peu sèches. Donc on va récolter ces algues qui sont marron-vert mais transparentes et je vais les faire chauffer. Alors comme ici directement sur mon poêle, puisque ici bah, le poêle il tourne 24 heures sur 24, mais on peut aussi les faire chauffer directement sur un gaz au-dessus de la flamme ou alors au-dessus de la flamme d'un feu de bois par exemple. Et on va voir que à chauffer, elles vont changer de couleur et elles vont verdir. Alors, voyez la différence de couleur. Donc, ici, c'est la couleur originale, assez marron, transparente. Et une fois chauffées, elles deviennent vertes comme ici. Donc, on va attendre que nos feuilles soient complètement vertes comme ici et on va les appliquer. Alors une fois que nos feuilles sont bien vertes et chaudes, on va les appliquer sur la zone concernée. Ben là moi en l'occurrence la cheville qui est encore gonflée au niveau juste de l'articulation. Et je vais me faire donc un cataplasme autour de la zone concerné et tout simplement mettre une bande ensuite par-dessus pour maintenir l'ensemble.
Voilà, le tout est en place. Je vais garder ça pour quelques heures. Ensuite, enlever et recommencer l'opération, soit plus tard dans la journée, soit le lendemain suivant le cas. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon voilà, moi j'ai remis une chaussette par-dessus. Comme par contre, je vous disais, disclaimer, ça ne remplace pas le fait de voir un médecin si vous avez la possibilité de voir un médecin. Mais si jamais vous êtes dans une impossibilité justement de voir des services médicaux parce que vous êtes trop éloigné, eh ben ça peut toujours vous aider. Je vais en profiter de ce petit interlude pour remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, tous ceux qui mettent des pouces, tous ceux qui mettent des commentaires, surtout des commentaires, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, etc. Et puis pour ceux qui n'aiment pas cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le bas, mais s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. C'est aussi ça qui fait progresser les choses. Bon, étant donné que pour l'instant, même si je peux marcher un petit peu, c'est pas génial. Donc, je vais rester avec un peu mon emplâtre. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!